Bonjour José, c'est Serge d'Oregon Classic. Je suis venu voir cette Corvette 74, hein, comme tu me, ben voilà, comme tu voulais. Alors voilà. Bon, elle est pas chère effectivement, mais il y a une raison pour ça. Hein. C'est dans tous les cas, bien sûr, une voiture qui va demander un peu de travail, un peu beaucoup peut-être même. Mécaniquement, elle a l'air en bon état, sous toute réserve, parce que je ne l'ai pas conduite. On l'a simplement démarré, je me suis assis dedans, j'ai passé la première, j'ai freiné, j'ai passé la marche arrière, j'ai freiné. Tout semble bien, mais c'est tout. Hein. Je ne suis pas allé au-delà. Une des raisons principales, c'est que le siège est gorgé d'eau. Hein, les T-top prennent l'eau, c'est de toute évidence. Et voilà. On va commencer par l'extérieur et la peinture. Alors c'est une peinture qui serait pas vilaine. Elle a été, enfin, pas non plus, ça n'a pas non plus été une peinture de qualité. On le voit rapidement ici. On voit comme ça a été assez grossièrement badigeonné. C'est jamais très très beau de toute façon. Hein, c'est cette partie-là d'une Corvette, hein. Cette finition-là, c'est normal, hein, ça, hein. C'est affreux comme ça, mais c'est comme ça. Mais bon, mais si on voit la peinture craquelée, une peinture qui a été faite avec une mauvaise préparation au départ, c'est évident. On le voit aussi sur la petite fenêtre à l'arrière, hein, le long de joint, là, tu vas voir, c'est très évident. Voilà, ça a été mal préparé, caché, et donc voilà ce que ça donne, quoi. Voilà ce que ça donne au bout de certains temps. J'ai noté ici aussi un éclat sur la peinture là. Et j'ai l'impression que je trouve cette peinture. On voit la fibre de verre en dessous. J'ai l'impression que c'est épais, quoi. Donc ce qui me ferait penser qu'il y a largement plus d'une couche de peinture sur cette voiture. Il n'est même pas évident qu'elle ait été jaune d'origine. Ça on pourra le vérifier en décodant la data paint, hein, ici, si on peut, parce que c'est pareil, hein, y a une couche de peinture ou deux dessus, et ça va être difficile à lire. Si, 416 68L, voilà, 68L, il suffit de voir à quoi ça correspond, et on aura la couleur d'origine. L'intérieur, puisqu'on est là, complet, la moquette est vieille, les sièges sont dans un état moyen, je dirais, hein. Je vois ici un petit début de séparation ici. Les sièges pourraient peut-être être nettoyés, rattrapés. Peut-être la mousse devrait être remplacée, hein, pour qu'ils soient plus fermes. Hein. Panneau de porte, pareil, ça m'a l'air d'origine, c'est dans un état moyen. Bon, mais les T-top, pareil, alors on voit là, c'est pas si. Enfin, c'est un mélange de condensation certainement et de pluie. Donc c'est très humide là-dedans. Hein. Les joints, j'ai vu pire sur des Corvettes. J'ai vu pire, mais enfin bon, quand on sait que les T-top fuient, il y a de grandes chances que les joints soient à remplacer. Vitre électrique à droite et gauche fonctionne, testé. J'ai pas fait attention au cadran ici. Le gars est parti avec les clés, donc je sais pas si les jauges fonctionnent, ça sera à vérifier. Voilà, donc en intérieur, dans un état moyen, je dirais, très moyen. Encore une fois, une fois que tout est séché, nettoyé, bon, il aura un autre aspect, mais voilà. Donc la peinture, j'en ai parlé. Pareil, qu'est-ce que j'ai remarqué sur la peinture? Voilà, alors là, on voit des... Là, c'est fissuré méchamment. Peinture à refaire, c'est clair. Hein, ça commence comme ça, quoi. Hein. Par contre, elle est pas... J'ai pas vu de choc, elle est pas... elle a pas été beugnée, elle est pas... Elle est quand même belle, elle est quand même en bon état, quoi. J'ai noté simplement là sous la protection, où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, ici, on voit qu'elle a pris elle a touché un petit peu, bah, comme toutes les Corvettes d'ailleurs, hein, à l'avant droit et à l'avant gauche. On voit ici, ils ont mis du gros scotch, hein, pour tenir tout ça. Donc bien sûr le nez, mais enfin, c'est une partie qui se remplace, c'est pas un gros problème finalement. C'est tellement courant sur les Corvettes que c'est pas un problème. J'ai vérifié le moteur, et c'est un numbers matching, c'est-à-dire qu'on voit là-bas, c'est là qu'on voit, hein, sur une petite surface plate là-bas, sur le bloc, où sont gravés les numéros, et je les ai notés,
et ils correspondent au VIN, numéro VIN de la voiture. Donc c'est bon, un bon point. On a un matching number. Et tout dans son état d'origine, c'est ce qui est appréciable. Je vois ici une étiquette, là, une pub Hunter Knight Automotive du Kentucky. Donc déjà, voilà, ça nous fait une indication, une voiture qui vient du Kentucky. Les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Les vitres fonctionnent, les chromes sont en bon état, les tours de fenêtres, rétroviseurs, les quelques chromes qu'il y a sur la voiture, il n'y en a pas beaucoup sur les Corvettes de cette année-là, mais fonctionnent, les feux arrière fonctionnent, les feux avant fonctionnent, s'ouvrent et se ferment, j'ai testé. Voilà, là aussi, on voit sur le côté, c'est pas beau du tout. Alors là par contre, la peinture qui s'est... on voit les bulles donc, qui ont été faites, enfin, qui se sont formées, voilà. C'est laid quoi, hein. Là c'est rouillé, j'ai noté aussi que l'intérieur de porte ici se séparait de la porte elle-même, alors je sais pas comment c'est fait. Ben là il y a quelque chose à revoir, hein, en bas de la porte ici, on voit le panneau de porte ici qui se sépare aussi, donc les problèmes des probablement des clips qui se sont... qui ont disparu. Voilà. Bon ben c'est pas cher, faut reconnaître c'est pas cher. Tiens, on va parler des pneus, des belles roues, belles jantes et des pneus une belle avec encore beaucoup de gomme, des pneus qui semblent être peut-être un peu sec, hein. Il y a de la gomme mais certainement de vieux pneus. Voilà. Bon ben je pense que j'ai fait le tour. Hein, 7 995 $. Je suis sûr qu'on peut négocier ça. Je suis sûr qu'on peut enlever au moins 1 000 $, hein, sur ce prix-là. Donc effectivement, à la fin, ça nous fait une Corvette de 1977 à un prix très très attractif, mais avec voilà, du boulot en perspective, essentiellement de la carrosserie, hein, carrosserie peinture, et puis un peu de mécanique, hein, comme les essuie-glaces. C'est à peu près tout finalement. Alors sous toute réserve, hein, encore une fois, je ne l'ai pas conduite sur route. Ça sera fait s'il y a plus d'intérêt. Mais voilà. Mais a priori, pédale de frein, une bonne pression, qui ont l'air de répondre correctement. Et j'ai apprécié le passage de vitesse, hein, première, retour au point mort, ensuite marche arrière. J'ai pas entendu de bruit, hein, souvent on l'entend sur les Corvettes. Un bruit de pont à l'arrière, hein, quand on change les vitesses. Et là non, c'était doux et silencieux et sans j'ai pas noté de problème, hein, spécifique ou particulier. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc Corvette, hein, 74. Et puis c'est tout. À bientôt. Au revoir.